Des caca. Bon, salut à tous. Aujourd'hui, séance avec mon coach, aka Brandon Mendoza. On va faire les cuisses, évidemment. Séance d'homme, hein, évidemment. Voilà. Je vous emmène avec moi et puis vous allez voir ça. Alors, mesdames, Brandon, c'est comme David, ok? Brandon est beau, Brandon est musclé, Brandon est célibataire. Soyez comme Brandon. Je vous mettrai son Insta si vous voulez, peut-être son numéro de téléphone, on verra. Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams, they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make ends. No time for fake friends. Yeah. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. I never be going and switching it up. Rocking with the people who be following me when I never thought it would've happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got. I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away. A new hobby, cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you're gonna make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a wraith. Came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Count it up on my two hands. If you wanna talk, I need two bands. I don't play around with no loose ends, and I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not my fan. But if you were willing to sacrifice when I roll the dice, then I'm counting you in. Say once, day one. No time for fake ones. Got me, I got you. All dreams, they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make ends. No time for fake friends. Ain't about money, it's about being loyal. Cause when I had nothing, they stayed on my soil. The grass might be greener on the other side, but not for the ones who left me out to dry. I can forgive, but I never forget. Money is power, but can't buy respect. If you've been focused on credit or debit, then I'ma pay you a reality check. Some of the richest be feeling depressed. Material shit don't compare to the rest. I move around with my real ones, making memories worth millions. Goddamn, part of the plan. Do what I do and I do it for them. 7 a.m. and I'm going to bed. I can't let the competition get ahead. I've been going like I never got to run. I wanna stop it. I've been thinking about the people who be talking about they love it. And I know I gotta keep on winning. Never gonna give in to the negative energy. Cause I gotta go and get it for the same ones, day ones. No time for fake ones. Got me, I got you. All dreams, they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make ends. No time for fake friends. Tuer ce con.
want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted. Can't be guarded, nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we bout to turn up. Crank this shit up so loud, sounds like we're sold out. In front of a whole crowd, we just control now. Don't take this shit too personally, everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me, everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe to find out who you wanna be. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching, don't try to stop this. Work until I'm nauseous, cause I will not quit. No, because I want this, don't try to stop me. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching, don't try to stop this. Work until I'm nauseous, cause I will not quit. No, because I want this, don't try to stop me now. Update, je fais 92 kg 6. On arrive à la fin de la prise de masse. Je commence à cutter le 1er janvier. J'ai une troisième date à mon calendrier. Le programme est fait pour 2023. Je commence à cut dans 3 semaines. Donc j'ai hâte d'arrêter de manger parce que là j'en peux plus. Et puis voilà, c'est parti hein. Les gars, prenez cette marque, les Québécois. Eh ben là, bande de cons. Ah, tu l'as pas vu? Dommage. Bon, troisième vidéo, on fait la suite. Des mouvements de merde, pour en choquer certains. Je suis fait pour le deadlift. Alors, encore une fois, si vous voulez en faire, je m'en branle, je m'en tire le fion. Je vous explique juste pourquoi vous êtes pas fort. N'est pas aussi me prendre la tête comme quoi ça vous a fait une chaîne postérieure magnifique. Je m'en branle, je vous parle juste encore une fois de savoir si vous allez tirer lourd ou pas. Le cas numéro 1 du coup, la morpho parfaite, et ben c'est quoi? C'est ni plus ni moins, pour ceux qui ont trouvé dans la dernière vidéo, c'est la morpho la plus éclatée pour le squat. Donc bras longs, buste long, court en proportion. Allez voir mon ancienne vidéo si vous ne savez pas ce que c'est. Jambes longues, et ça donne ça. En fait c'est très simple, les mecs sont déjà quasiment debout alors qu'ils ont la barre déjà en main. C'est pour ça qu'ils tirent lourd, c'est parce qu'ils tirent rien. Alors je sais, il y en a qui pallient à ça et qui font du sumo, vous avez rien compris, mais mais en gros c'est ça, c'est ni plus ni moins. Encore une fois, de l'anatomie, c'est de la base, c'est du bon sens, moyen d'amplitude, plus vous tirez plus fort. Cas numéro 2, c'est le cas de The Panache. C'est quoi son problème? C'est son buste court. Alors oui, il s'en sort bien parce qu'il a les bras de... Il fait 14 km de long de bras, donc il s'en sort bien. Bon, j'ai exagéré, hein, la position est pas bonne. Mais son problème c'est quoi? C'est qu'il est penché en avant, en fait, tout simplement. La puissance abdominale pour remonter le buste en tirant, etc. Tout ça c'est de la perte de force, ni plus ni moins. Donc ça, bah, les gars, il n'y a pas de solution. Hein. De toute façon, le deadlift, c'est pas remplaçable par quelque chose. Donc. Éventuellement, si vous voulez faire du deadlift et tirer lourd, vous faites du rack pull. Mais bon, ça reste du rack pull, la barre est pas au sol, donc c'est pas une vraie perf. Bon, encore une fois, là c'est pareil, si vous avez les bras longs, ça va, mais il y a bras longs et bras longs, on s'entend. Si tu fais 1m77 et que tu t'as 1m77 d'envergure, tu vas encore plus galérer. Bon, par contre, si t'as 1m85 d'envergure pour 1m77, bon, c'est déjà mieux. Mais bon, voilà, c'est du détail, hein. Clairement, t'es dans la merde. Alors ça empêche pas de faire des perfs, oui. C'est juste que bah, t'en auras moins que le cas numéro 1. Quoi qu'il arrive. La nature c'est comme ça. Hein, comme disait Essan sur son TikTok là, la génétique c'est pas 10%. Non, non. Là la génétique c'est limite 100%. Ok, cas numéro 3. Alors clairement c'est la morpho à squat. Là c'est la pire
possibilité, pire idée en fait de faire du deadlift quand t'as cette morpho. Clairement, tu vas rien tirer, ton amplitude, c'est de la merde puisque t'as les jambes super courtes, t'es assis alors que t'as même pas encore la barre dans les mains. Donc là, clairement, et puis là t'as les bras longs, imagine si t'as les bras courts. Imagine, faut te pencher en avant et squatter en même temps juste pour tirer. Non, soyons sérieux. Donc te fais pas chier à faire du terre, ça va te servir à rien, tu vas te flinguer alors que t'es capable de squatter. Retourne squatter, nous emmerde pas et arrête les deadlifts. Bon, voilà juste pour ce petit passage anatomique. La semaine prochaine, on va débunker les mythes sur les stéros parce qu'on entend tout et n'importe quoi et ça commence à me... Hein? Donc laissez-moi en commentaire si vous avez des mythes sur les stéroïdes, je vais y répondre. Les prochaines vidéos aussi vont tourner sur la longueur musculaire. En fait, comment savoir si vous avez un point fort ou un point faible? Bon, techniquement, vous avez plus ou moins compris, mais il y a des parties qui sont quand même plus difficiles à comprendre. Donc je vais vous expliquer comment, pourquoi, oui, non, est-ce que là, ok, hein, bon, je vais te dire tout. Le dos, les cuisses, les bras, pourquoi, les épaules, la tête, le cerveau, les couilles. Bon, les couilles, il vous en manque quand même pas mal pour certains, mais ça va le faire, ça va le faire. Ça va bien se passer. Si t'as pas envie de regarder mes vidéos, c'est une chose. Si tu me supportes pas, c'est une chose aussi. Mais tu sais que j'ai raison. J'ai fait un e-book sur mon site qui est entièrement tourné vers ça. Donc si t'as pas envie de te faire chier, va sur mon site, lis et regarde plus mes vidéos. On va gagner du temps si tu fais ça. Bon, sur mon e-book, y a pas que ça aussi. Je vous explique comment vous entraîner et comment choisir vos exercices selon votre morpho. Il fait 95 pages, il y a des programmes dedans. Enfin bref, faut pas checker. Bon, merde. N'oubliez pas de me mettre en commentaire vos mythes sur les stéroïdes. On se voit dimanche prochain. D'ici là, allez vous faire foutre.